Donc, pour pouvoir configurer AWS CLI, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, j'ai une instance. Voilà, donc je vais prendre l'adresse IP de cette instance. Je vais sur X-Shell. Je vais voir, donc, je vais mettre la nouvelle adresse IP. Et puis, je vais faire connecter. D'accord? Une seule fois. Bon, si je fais, donc, pour vérifier AWS version, là. Voilà, j'ai la version. Après, pour configurer, donc là, je me rassure que CLI existe. Ici, j'ai la version. Après, je vais faire AWS configure. Donc, ici, pour pouvoir accéder à AWS CLI, bon, il va falloir qu'on vienne ici. On va vers IAM. Et vers IAM. Il faut qu'on configure ou bien il faut que déjà qu'on a ses credentials. Donc on va My Security Credentials. Et puis je peux créer un password comme je peux voilà créer les accès pour CLI. Donc créer access. Ici si je télécharge le fichier, ben ça se télécharge une seule fois. Donc close. J'ouvre le fichier qui est là. Après, je prends donc le access key et puis je le mets ici, entrée. Après, je fais ça et je le mets entrée là. Après, il me dit default region name, c'est-à-dire la région sur laquelle je travaille souvent. Donc pour moi, EI, EU, West. Donc West 3. Quel format d'output si je fais des manips? Ben, souvent j'utilise JSON. Et après voilà, donc là il est bien configuré, il me reconnaît très bien. Pour vérifier s'il me reconnaît très bien, donc je peux faire AWS IAM list user. Donc vu que cette instance, je vous dis que elle ne contient pas de rôle attaché. Hein. Là on ne parle pas de rôle. Donc on va vérifier ensemble. Donc je viens ici et je vais vers Security, Modify IAM Role. Là, elle n'a pas de rôle. Donc ça, c'est juste AWS CLI. Donc si je reprends, si je fais Entrée, il va me retourner toutes les listes des utilisateurs que j'ai. Donc là, on est bien, le AWS CLI, il est bien configuré. Voilà, après il faut voilà, je recommande pas de l'utiliser, je recommande de l'utiliser d'utiliser des rôles. Donc le fait de créer un rôle et l'affecter à la machine, c'est toujours bien parce que ces coordonnées-là, on peut les retrouver, mais aussi ils ont une durée de validité. Cette configuration a une durée de validité. Et si un jour vous faites du DevOps, donc ces codes-là changeront régulièrement. Donc ça, c'est pas des bonnes pratiques en fait. Voilà.